rayon de jouets d'un grand magasin est une véritable cité en réduction. Là sont matérialisés les innombrables désirs de l'enfant. L'enfant n'aime pas choisir. Il est curieux de tout. Les décors de la vie ramenés à son échelle, les accessoires des métiers mis en boîte ou en panoplie, tout sert de tremplin à son imagination. L'enfant est né multiple. À travers le jeu, il multiplie les expériences. Mais les rêveries de l'enfance sont bientôt dissipées par les réalités de la vie. L'enfant né multiple doit se résoudre en grandissant à n'être plus qu'un homme. Celui-ci a dû choisir une carrière parmi tant de sollicitations diverses. Pour celui-là, il n'est pas même question de choix. Le hasard, la famille, la nécessité, le milieu ou une petite annonce ont décidé pour lui. Cet homme au métier monotone, sait-il que Léonard de Vinci fut à la fois peintre, écrivain, musicien, architecte, sculpteur, physicien, mathématicien, astronome et ingénieur? Que le poète Goethe fut aussi par ses études biologiques un précurseur des théories de Lamarck et de Darwin sur l'évolution des espèces vivantes? Que le mathématicien Blaise Pascal, abandonnant parfois les spéculations jansénistes, eut le premier l'idée de l'omnibus à Saint-Saul, ancêtre des transports en commun? Mais qui serait désormais capable d'embrasser la totalité du savoir humain? Comme l'enfant, l'humanité a grandi, l'humanité a vieilli. Aux esprits universels d'autrefois, le XXe siècle substitue le spécialiste. Les sirènes des usines retentissent. Les ouvriers se répandent dans les banlieues. Le paysan revient des champs. Le pêcheur rentre de la pêche. Les banlieusards courent vers leur train. Chaque soir, chaque homme retourne à sa vie privée. Que devient-il? Quel diable boiteux soulèvera les toits de ses immeubles et nous révélera ce qu'il fait de ses loisirs? Nous ne parlerons pas ici de ceux qui ne savent pas quoi faire, ni de ceux qui s'enferment pour ne rien faire, ni de ceux qui sortent pour prendre l'air, ni de ceux qui regardent travailler les autres. Il y a ceux qui, par milliers, regardent les autres faire du sport, et ceux qui font du sport. Il y a ceux qui lisent des histoires, et ceux qui préfèrent les voir. Ceux qui jouent de la musique, et ceux qui la dansent. Ceux qui s'amusent à faire la cuisine, et ceux qui la mangent. Mais voici venir ceux dont l'imagination dépasse les cadres imposés par leurs conditions, ceux qui ont la passion de créer, d'inventer, de durer. Charles Cros était-il avant tout poète ou homme de science, ou plutôt un des derniers représentants des hommes universels d'autrefois? Alors même qu'il écrivait quelques-uns des plus beaux poèmes symbolistes, il inventait en 1869 la photographie des couleurs, en 1877 le phonographe. De nos jours, la race des inventeurs n'est pas morte. Le concours Lépine en témoigne chaque année. Ce chauffeur de taxi s'appelle Léon Corfu. C'est un inventeur. On lui doit notamment la chaussure en aluminium et le lit à dormir debout, qui est tout simplement un lit redressable. Mais il est aussi l'auteur de nombreuses propositions utiles au bien public, par exemple, une nouvelle méthode d'inhumation applicable aux grandes cités modernes. Louis XVI, célèbre par ses travaux de serrurerie, était aussi roi de France. Voici l'étau sur lequel il travaillait. Monsieur Gross, inventeur de serrures incrochetables et plus modestement employé de chemin de fer. Métier pour les uns, véhicule pour les autres, le chemin de fer est aussi un jouet, non seulement un jouet pour les enfants, mais également pour les grandes personnes qui construisent elles-mêmes ces trains et ces réseaux en réduction. Les moyens de locomotion préoccupent d'ailleurs particulièrement les bricoleurs du dimanche.
quelques années, ceux qui ne se contentaient pas d'avions jouets fabriquaient eux-mêmes des planeurs. Aujourd'hui, les clubs de vol à voile leur offrent des planeurs bien étudiés. Cet objet qui glisse dans le ciel et que nous distinguons mal n'est pas un planeur, c'est une bicyclette. Une bicyclette sans pneus, puisqu'au lieu de rouler sur une route, elle se déplace sur un câble d'acier gros comme le petit doigt et long d'un kilomètre, tendu entre deux collines. Cette bicyclette insolite est montée par un cycliste que les paysans de l'Ardèche connaissent sous le nom de Diable Rouge. En dépit des sommes énormes et des succès que sa virtuosité de funambule pourrait lui rapporter, il vit en ermite dans la petite cabane qu'il s'est lui-même construite en pleine forêt, se nourrissant surtout de glands et de châtaignes crues. Le Diable Rouge s'appelle en réalité Émile Bourgaise et exerce, en temps normal, son métier de bûcheron. Le câble, instrument de ses acrobaties, lui sert alors tout simplement à descendre sans peine d'énormes fagots. Cependant que cet homme cherche l'aventure dans le ciel, d'autres la trouvent dans les profondeurs souterraines. Jean Pinlevé, biologiste, et Le Prieur, navigateur, préfèrent les profondeurs sous-marines et se délassent de leurs travaux en organisant la chasse aux poissons. Deux physiciens pratiquent le judo, forme moderne du jiu-jitsu. Celui-ci a eu le prix Nobel, c'est Frédéric Joliot, créateur de la radioactivité artificielle. Son professeur de judo, M. Feldenkrais, est aussi au laboratoire son élève et collaborateur. M. Pierre Louchel est dessinateur de mode. Depuis 20 ans, chaque jour, des amateurs bricolent des postes de radio. C'est à leur patience qu'on doit les progrès réalisés dans l'émission et la réception des ondes très courtes sur les longues distances. Ils sont aujourd'hui 50 000 dans le monde. Calling CQ, calling CQDX, calling USA, the French station F8NT in Paris, France, calling CQ. Hello USA, F8NT calling, calling CQ, calling United States, F8NT in Paris, calling CQDX, and F8NT in Norway, T-Tokyo, F8NT in Paris, now standing by for any call. F8NT, ici le station américaine WIEPH. Ici station américaine qui vous appelle, qui vous écoute. Go ahead, Pierre. Madame Angélica Opportune Leverve, de Semur en Auxois, vachère de son métier, n'entendait pas la voix des ondes, mais elle prétendait que la voix de son ange gardien guidait ses travaux de sculpture. Lorsque nous arrivons à Semur en Auxois, nous apprenons qu'elle vient de mourir il y a une quinzaine de jours. Devant sa maison abandonnée où nous espérions visiter son atelier, nous ne trouvons qu'un tas d'ordures où traînent quelques souvenirs. Ces sculptures n'ont pas été jetées à la rue, mais recueillies dans un petit musée.
Les seuls outils dont elle se soit jamais servie sont une petite scie à découper et de vieilles aiguilles de machine à coudre. Voici pourtant des sculptures en pleine rue. Dans une ruelle de la vieille ville, M. Effesso tient un commerce de boucherie et construit dans son arrière-boutique des têtes de carton pour le carnaval de Nice. À Ouessant, un marin a décoré son poulailler de girouettes. À Beauchastel, près du Rhône, un pêcheur a sculpté les mâts sur lesquels il fait sécher ses filets. À Étampes, Madame Veuve Corsin nous fait visiter le jardin décoré par son mari vers 1904. Auguste Corsin était employé à la gare d'Arpajon. Corsin est aussi l'auteur de peintures sur tôle de fer, procédé original entre tous. N'importe quelle roue, vue en perspective, paraît ovale ou plutôt elliptique. Celle-ci, vue de face, est réellement elliptique. Monsieur Binquet, son constructeur, était vers 1875 quincaillier à Tartas, dans les Landes, et aussi peintre à ses moments perdus. Car si les métiers du dimanche sont infiniment divers, celui de peintre du dimanche est de loin le plus répandu. Un gravait sans aucun doute de son plein gré adopter la peinture pour métier. Elle ne lui suffisait pas pour s'exprimer puisqu'il prétendait par ailleurs exceller également au violon. À plus forte raison, ce monsieur qui n'a pas choisi d'être comptable n'est comptable que pendant la semaine et le dimanche il peint. Victor Hugo, le plus célèbre des peintres du dimanche, est sans doute l'inventeur de ce jeu, écrasé sur le papier des taches d'encre, pour y chercher ensuite des formes, personnages, animaux, nuages, vieux châteaux. Les taches interprétées sont à la base de la plupart des dessins de Victor Hugo. Le poète construisait aussi des meubles et dans son exil de Hauteville House à Guernesey, il couvrait les murs de décorations baroques. Pierre Loti, en 1872, rapportait de son voyage à l'île de Pâques, alors presque inconnue des ethnologues, de surprenantes aquarelles. Georges Méliès était prestidigitateur au théâtre Robert Houdin. En 1896, à la naissance du cinéma, il eut le premier l'idée de réaliser des films à mise en scène dont il était l'auteur, l'acteur et le décorateur. Son activité cesse en 1914, mais jusqu'à la fin de ses jours, la peinture et la prestidigitation restent ses violons d'âme. C'est pour le gaz. Cet homme qui vient relever votre compteur est un peintre qui peut-être un jour sera célèbre. Cette toile est l'œuvre d'un mercier. Celle-ci a été peinte par un jardinier. Celle-ci par Séraphine Louis, femme de ménage. Celle-ci par Vivin, postier. Celle-ci par Bonbois, terrassier. Celle-ci par Perronnet, typographe. Ils sont des milliers dont la peinture, à défaut d'académisme, vaut par la fraîcheur et la poésie. Parfois, les marchands essaient de les lancer. Mais jusqu'ici, on n'a connu qu'un seul douanier Rousseau. Né à Laval en 1844 d'un père quincaillier,
Henri Rousseau vint s'installer à Paris après la guerre de 1870. Au 2 bis rue Perelle existe encore aujourd'hui son atelier, dans lequel il habitait afin, disait-il, de faire risette à ses tableaux dès le réveil. Il exerçait le métier d'employé d'octroi. Ses amis l'appelaient le douanier parce que ce mot leur paraissait plus joli. C'est vers l'âge de 40 ans, en 1885, que Rousseau expose pour la première fois au Salon des Indépendants. Les paysages de fortifications qu'il contemplait depuis 15 ans, il les transporte dans ses toiles. Il devait bientôt devenir un des plus grands peintres de son époque. Une prédilection marquée le conduit au bord de la Seine et il peint le pont Mirabeau que chanta son ami Guillaume Apollinaire. Et la statue de la Liberté, réplique de celle qui s'élève dans le port de New York, l'attire aux abords du pont de Grenelle. L'univers de Rousseau, c'est aussi le monde des petites gens de son quartier, qu'il réunissait parfois dans son atelier à ses soirées musicales, car il donnait aussi des leçons de musique pour gagner un peu d'argent. Les portraits qu'il peignait dans son entourage sont aujourd'hui presque tous perdus. Mais on sait par les souvenirs d'Apollinaire que le douanier consciencieux mesurait au centimètre tous les traits du visage de son modèle pour reporter ses dimensions sur la toile. Au premier plan de ce portrait de l'écrivain, par une délicate attention, il ajoutait des œillets de poète. Les feuilles des arbres, si minutieusement représentées, sont copiées sur de véritables feuilles qu'il cueillait lui-même. Rousseau a pu être, à juste titre, qualifié de peintre de la réalité. Mais son souci de réalisme s'étend aussi bien au monde intérieur qu'au monde extérieur. Lorsqu'il se peint dans le tableau intitulé « Moi-même, portrait paysage », sa palette prend la forme d'un cœur où peuvent se lire les noms des deux femmes qu'il aima, Clémence, Joséphine. Derrière lui, à sa gauche, des tonneaux attendent la visite d'octroi. À sa droite, un navire sur la Seine, masquant la tour Eiffel, évoque les grands voyages de sa jeunesse. Rousseau peint des rêves, comme la bohémienne endormie. Il peint des idées. La liberté, l'indépendance, la paix. En 1904, 20 ans après ses premières œuvres, le douanier s'attaque aux grandes compositions exotiques. C'est là qu'il devait s'exprimer pleinement. Un soir de banquet, Apollinaire improvisait ses vers. Tu te souviens, Rousseau, du paysage aztèque, des forêts où poussaient la mangue et l'ananas, des singes répandant tout le sang des pastèques et du blond empereur qu'on fusilla là-bas. La nuit, au cœur des forêts, les chasseurs, les bêtes inquiétantes, les êtres étranges qui charment les serpents, c'est bien de tout cela que se nourrissaient les rêves de Rousseau. Rousseau confessait que parfois il s'épouvantait lui-même de ses propres forêts. Se croyant guetté par les fauves, pris d'angoisse, il allait ouvrir sa fenêtre. En 1910, quelques mois avant sa mort, il peignait ce tableau qui est peut-être son chef-d'œuvre, Le Rêve. Il dédiait ce tableau à une femme qu'il avait aimée dans sa jeunesse, une Polonaise nommée Jadwiga. À ceux qui s'étonnaient de l'avoir étendue sur un canapé rouge en pleine forêt vierge, Rousseau répondait simplement: cette femme est dans sa chambre. La forêt, l'éléphant, le charmeur, les fauves représentent ce qu'elle rêve. Et il composait ce petit poème. Jadwiga, dans un beau rêve, s'étant endormie doucement, entendait les sons d'une musette dont jouait un charmeur bien pensant. Pendant que la lune reflète sur les fleuves les arbres verdoyants, les fauves serpents prêtent l'oreille aux erguets de l'instrument. À Bagneux, dans un de ces cimetières de banlieue tristes où échouent tant de rêves inexprimés, repose le douanier qui sut libérer ses rêves. Songes merveilleux qui trouvaient alors tout naturellement leur place dans les intérieurs modestes des habitants du quartier Plaisance. Le douanier les vendait de 60 à 300 francs. Il vécut dans une misère orgueilleuse et mourut sans un sou. La gloire qu'il s'étonnait de ne pas atteindre de son vivant, ses tableaux l'ont obtenue après sa mort. Les riches amateurs se disputent les Rousseau. Certaines toiles atteignent presque le million de francs.
la charmeuse de serpent entre au musée du Louvre. En général, c'est au marché aux puces, véritable galerie de l'art populaire, qu'échouent moins glorieusement les œuvres de ces charmants ingénus de l'art. À moins que leur nature ne les rende impropres au transport. Les rochers de Rottenhof, par exemple, un prêtre a mis 30 ans à les sculpter. Ferdinand Cheval était facteur rural à Haute-Rive, dans le département de la Drôme. Il parcourait chaque jour, dans la vallée de la Galaure, 32 km à pied. Il raconte dans ses mémoires... Que faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l'on ne songe? Je songeais. Je construisais en rêve un palais féerique, dépassant l'imagination, tout ce que le génie d'un humble peut concevoir. Avec un jardin... Grottes, tours, châteaux, musées et sculptures. Le tout si joli, si pittoresque, que l'image en demeura vivante pendant au moins 10 ans dans mon cerveau. Cheval avait depuis longtemps renoncé à construire son palais de rêve. Il avait déjà plus de 40 ans, lorsqu'un jour... Ma pierre d'achoppement était de forme si bizarre que je la ramassais et l'emportais. Je retournais le lendemain au même endroit et en trouvais de plus belles encore. C'est alors que je dis, puisque la nature fournit les sculptures, je me ferai architecte et maçon. Pendant 33 ans, de 1879 à 1912, le facteur charrie dans ses poches ou dans sa fidèle brouette les étranges pierres qu'il rencontre au cours de ses tournées, pierres tourmentées dont cette région abonde. Et chaque soir, parfois même la nuit, à la lueur d'une lanterne, assemblant dans la maçonnerie des fossiles et des météores, il construit son palais idéal. Les minutes de loisir que mon service m'a permis, j'ai bâti ce palais de mille et une nuits. En cherchant, j'ai trouvé. 40 ans, j'ai pioché. Pour faire jaillir de terre ce palais de fées. Pour mon idée, mon corps a tout bravé. Le temps, la critique, les années. 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuves. Plus opiniâtre que moi se mettent à l'œuvre. Souvent, l'architecture rappelle les grottes de la région, témoignant ainsi de l'attachement profond au sol nourricier. Tout ce que tu vois passant est l'œuvre d'un paysan. D'un songe, j'ai sorti la reine du monde. Le château qui domine Charmes, son village natal, nourrissait autrefois ses humiliations d'enfant pauvre, exaltait ses rêveries de grandeur. Ce n'est plus dans son palais qu'un minuscule détail médiéval. Cheval fut plus tard boulanger en Algérie. Il en a rapporté ses réminiscences barbaresques qu'il prolonge en visions hindoues et extrêmes orientales. Créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peut la volonté. Partout s'inscrit dans la pierre son désir de s'élever. L'obscur facteur rural s'identifie aux trois géants, César, le grand conquérant romain, Vercingétorix, le grand défenseur de la Gaule, Archimède, le grand savant grec. Cheval eut encore le temps avant sa mort de construire en 8 ans, au cimetière d'Haute-Rive, le tombeau où il repose depuis 1924. L'extraordinaire obstination de Ferdinand Cheval témoigne chez cet homme d'une jeunesse inébranlable. Autour de lui, on le traitait de fou. Il serait peut-être devenu fou s'il n'avait pu construire son rêve. Aucun homme ne semble avoir été plus normal, plus sociable, plus tranquille. L'enfant vient dans cette vie les mains pleines d'avenir. S'il sait s'en servir,
il les laissera remplis de souvenirs. Ce rocher dira un jour bien des choses. La création et le jeu sont nécessaires à la santé mentale de certains hommes. L'exercice désintéressé de l'esprit est nécessaire à l'humanité tout entière. Quoi de plus gratuite, semble-t-il, que la construction des automates ou de ces horloges fantaisistes qui sont des merveilles d'ingéniosité, ou bien encore de ces objets résolument dénués d'utilité que confectionnent parfois les artisans pour témoigner de leur maîtrise. Qui pourrait cependant affirmer que ces travaux ne puissent conduire à plus de science ou même à des découvertes indirectes? C'est en étudiant un nouveau mode de cuisson des aliments à l'étouffée que Denis Papin découvrit la force d'expansion de la vapeur. C'est en bricolant qu'Émile Reynaud, en 1878, construisit dans une boîte à biscuits son premier praxinoscope, ancêtre à la fois du dessin animé et du cinématographe. C'est en étudiant le vol des oiseaux que Jules-Étienne Marais met au point en 1882 la chronophotographie, c'est-à-dire la prise de vue cinématographique. Il n'y a guère plus de 20 ans, Marcel de Kérolyre était un violoniste réputé. Jusqu'en 1924, l'étude des astres n'était que son violon d'ingres. Depuis, il a abandonné définitivement la musique pour se consacrer à l'astronomie. Il dirige aujourd'hui à Fort-Calquier la station d'astrophysique de l'Observatoire de Paris. Il n'en a pas moins conservé une station privée, bricolée de ses propres mains, la station astrophotographique de la Haute-Provence. Photographie ce que l'œil, même à l'aide des plus puissants télescopes, ne peut pas voir et que l'émulsion photographique seule peut révéler. Voici la grande nébuleuse d'Orion, distante de 600 années-lumière. Elle apparaît ici telle qu'elle était en réalité en 1339, au temps de Philippe VI de Valois. Voici la nébuleuse spirale d'Andromède, distante d'un million d'années-lumière. Que pèse devant de tels chiffres les 30 années perdues au service d'une autre vocation? Une ardeur commune à ces hommes les plus divers, ingénuité chez les uns, jeunesse d'esprit chez les autres, fait de leur vie un jeu passionné. La science et l'art naissent de ce jeu. Il n'est de science, il n'est d'art que grâce à ceux qui, parvenus à l'expérience de l'âge mûr, savent conserver la curiosité avide et créatrice de leur enfance.